des raisons qui fait rester bien trop longtemps dans un couple, c'est l'éternel retour. C'est comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire que la vie, les événements de la vie, transforme chacun dans un couple. Et quand à un moment, l'autre a changé ou c'est plus, la relation n'est plus la même, comment on fait pour rester? Eh bien, on se souvient. Et on attend le retour de celui qui, ou de celle qui était dans les premiers jours de votre rencontre ou dans les premières années. Ce qui fait que quand la personne est violente ou quand la personne fait la tête ou quand la personne ne vous voit plus ou quand la personne est absente, eh bien, vous attendez le retour de celui ou de celle que vous aimez. Et comme ça, ça peut durer très longtemps. Tant que ce passé est présent, votre réalité présentement est complètement obturée. Vous ne pouvez pas agir. Donc, aujourd'hui, essayez dans votre relation de penser à cette phrase « Il n'y a pas d'éternel retour ». Ça n'existe pas. Le Ulysse qui revient, qu'on aime après un grand voyage, non. Pénélope, vous n'êtes pas des Pénélopes. Donc, quand vous regardez la personne qui est avec vous, telle qu'elle est, elle est comme ça et elle ne changera pas. En tout cas, elle ne reviendra pas à l'arrière. Vous ne pouvez pas avoir vos 15 ans, bien. Et vous ne pouvez pas avoir vos 10 ans, bien. Supposons qu'à 20 ans, vous attendiez déjà la fille de 10 ans. Ce n'est pas possible. Faites pas la même chose dans votre couple. Cela vous permettra des fois d'éviter de longues années qui sont très tristes quand on les regarde après. Allez, au revoir.